Question de Madame Noël de Bruxelles. Comment s'appellent les rites de la religion catholique destinés à rendre plus grande la fécondité des champs? Ah, c'est les... Oui. Rogations, oui. Les rogations. Ah. Bonne réponse de l'amiral. Ah, c'était difficile, ça, hein? Ça, faut connaître la religion, hein? Mais on n'est pas obligé de connaître que la sienne. Mais j'en ai pas. Je veux dire que la religion juive, elle est terrible hein, pour l'amour et pour les femmes, elles sont toujours impures. C'est une belle cérémonie d'ailleurs, les rogations. Et c'est un prêtre qui conduit la procession ? C'est rarement un rabbin, la religion catholique. C'est vrai. Mais vous dites que la religion elle est juive est terrible. Hein. Elle est terrible parce que d'abord, les femmes ne sont pas des êtres humains, puisque aussi bien, il n'y a que les garçons qui font la bar mitzvah, c'est-à-dire que les garçons, quand ils arrivent à 14 ans, ils deviennent des fidèles. Les hommes font généralement mieux la cuisine que les femmes, hein, je veux dire. Un rapport avec la bar mitzvah. C'est trop bon la bar mitzvah, j'adore ça. Oui, oui. Je trouve la bar mitzvah bien supérieure à la paella, alors. Mais arrête ! Parce que dans la paella, j'aime pas beaucoup le mélange avec, entre le poulet et les langoustines. Oui, oui, c'est vrai. Tandis que dans la bar mitzvah, je trouve que les moules et les huîtres, c'est mieux, ça va bien. C'est la bar mitzvah aux fruits de mer, hein, attention. Oui, oui. Et puis j'aime beaucoup dans la bar mitzvah, ce que j'aime beaucoup, c'est les types qui remuent, tu sais, comme ça, et qui la font tourner avant de la mettre dans le four avec les champignons, les anchois, les machins comme ça, tu vois. Oh, moi j'en ai mangé en Italie des quantités, alors. Très, très sympathique. En tout cas, les femmes n'ont pas le droit de la faire et on n'a pas le droit de s'approcher de sa femme quand elle est impure. Elle est tout le temps impure. Bah évidemment. 30 jours par mois ? Non, elle n'est pas impure, juste... La femme, si. La maîtresse, non, mais la femme. Oui. La copine, ça va. La femme, t'es impure. En plus, les femmes, traditionnellement, doivent se raser la tête et porter des perruques. Et elles le font vraiment. Et moi, j'étais à Jérusalem. Ah, attention, ne confondons pas. Se rase la tête, mais pas les bras. Non, elle se rase que la tête. Oui, voilà. Et elle porte une perruque. Et il faut que la perruque ait une raie au milieu. Ou comme elles sont jolies, les filles de mon pays. Rasé. Oh, j'en pleure. Oh, dis donc. Quelle culture, Jean-Yann. Ah oui. Humide, d'une façon très humiliante, me prosterne à ses pieds, cette espèce de grand savant qui... Et pourtant, j'ai que 26 de QI, ce qui n'est pas beaucoup. Mais 26 de QI. 26. C'est le service militaire, 26. C'est au-dessous du débile profond. Ah, hein. C'est au-dessous du singe. Je suis entre le mouton et l'oursin. J'ai plus près de l'oursin que du mouton. Ah oui, donc. J'ai été convoqué par les autorités militaires parce que les mecs ont dit se foutre de notre gueule et j'ai eu 26. Mais t'avais fait exprès un peu, non ? Pas du tout, mais absolument pas. Je comprenais rien. Il y avait tout le monde se tirait. Des mecs avaient rempli leur truc. Là, il fallait tourner des pages. Moi, j'étais à la page 6. J'étais encore en train d'essayer de tourner. Il y avait des trucs qui tournaient dans un sens et tournent dans l'autre avec mon crayon, comme ça. Si la roue A tourne comme ça, dans quel sens tourne la roue B ? Après, il y avait des machins, des carrés, des ronds, des trucs cochés, les deux qui sont pareils. Et je voyais les types, ils rendaient la copie, ils se barraient et tout. Moi, je restais seul avec deux ou trois cultivateurs. Là, on était. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Après, les mecs sont partis. Le lendemain, un but convoqué. Monsieur, 26. J'ai dit, oui, pas de ma faute. Tombé dans le génie ? Ils n'ont jamais voulu croire. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, là ? Quelle est ta place ? Mais rien, j'ai fait un gala pour les offres sociales. J'ai fait venir Jean-Noël. Le mec, il m'a dit, pourquoi vous êtes si bête ? J'ai dit, vous savez, je suis dans le spectacle, on n'est pas bien finaux. Il m'a dit, ah bon, et pour les offres sociales du régiment, vous connaissez du monde ? J'ai dit, ben ouais, je connais du monde. Bon, elle m'a dit, bon, alors, allez-y, vous avez une permission, allez les chercher, faites-les venir. Alors j'ai fait venir des copains, moi, et pas des copains, qui étaient beaucoup plus âgés, et notamment Noin, qui est arrivé et qui a commencé à faire la présentation du gala, et qui a dit, bonjour commandant, bonjour machin, vous savez que moi j'étais adjudant dans le machin, il les a fait chier, il les a roulés dans la farine. Et comme ça, j'ai pu me faire pistonner.
T'as eu 27. Mais j'avais quand même que 26. Et je les ai toujours, ça s'est pas amélioré. Mais je suis tranquille avec mes 26. Personne vient m'emmerder en disant vous êtes un génie, rentre au Pentagone ou tous les trucs comme ça, parce qu'il faut se méfier, les mecs trop malins. Les types viennent dire non, non, vous êtes un savant, on vous emmerde. Regardez tous les types qui se font isoler et tout, parce qu'ils savent tout. Eh oui. Moi, vous pouvez me laisser pendant un an avec un computer, j'arriverai même pas à mettre mon nom dessus. La seule chose que je peux faire un peu, c'est comme les souris, essayer de me barrer par l'au-dessus, là, c'est dire là peut-être. Ou alors taper trois fois pour que le machin s'ouvre si j'ai la bouffe qui sort, mais autrement. Non, non, ben, je suis franc et loyal. D'ailleurs, je le dis toujours aux femmes, vous attendez pas à être avec. Moi, je peux faire n'importe quoi d'inconsidéré, j'ai un tout petit QI. Ça les attire. Alors, oui, ils sont gentils avec moi, elles me maternent un peu. Ils disent, bon, il est pas bien malin, ça fait rien. C'est Madame Crépu de la Motte. Qu'est-ce qu'une jeune mariée italienne? Offre à la Vierge le jour de son mariage. Son pucelage. Son pucelage. Non, les draps dans lesquels elle a passé l'année de noces. La nuit. Son non. Sang. Comment? Le sang non, qui coule. Avant même que commence la nuit de noces, elle fait une offrande propitiatoire à la Vierge. À l'église ou chez elle? Chez elle, une petite chapelle. Devant la glace? Ardente. Devant la glace, non? Alors, c'est son porte-jartel? Son alors, slip? Son oui, slip? Oui, exactement. C'est dessous. Qu'est-ce qu'on a foutu, la Vierge? Déjà que la pauvre mère, ah ouais. La Vierge, elle est déjà traumatisée parce qu'elle en a jamais eu un coup. C'est vrai qu'une autre capacité. Ah, dis donc. En plus, il y a l'autre qui vient l'exciter avec sa culotte. Gna, 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 gna. T'as pas le droit à ça. Gna, 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 gna. Elle la nargue et tout avec son calbar. Et l'autre sur son nuage et tout, dis donc, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que vous avez, ma mère? Ça va, toi, Jésus? Casse pas les couilles. Déjà qu'elle m'excite l'espagnol, là, avec son truc. Ou l'italien. Oh non. C'est dur, hein. C'est honteux, je trouve. Bon, mais enfin, c'était quand même une. C'est marrant parce que moi, je suis allé beaucoup en Italie, beaucoup au Vatican et un peu partout, dans tous les trucs où il y a des grands tableaux, des grands maîtres et tout. Et je n'ai jamais vu de toile. L'offrande du slip. Jeune marié offrant son slip à la Vierge. Jamais j'ai vu ça. J'ai vu Création du Monde, machin, Léonard de Vinci, Raphaël, tout, le plafond de la Sixtine et tout, mais j'ai jamais vu l'offrande du slip à la Vierge. Moi, j'ai offert mon calbar à Saint-Antoine. Les mecs de c'était pas des slips. Hein. Ouais. C'était ouais. Vraiment plus. C'était quand même vraiment le calbar de base. Hein. Ouais. Ce qu'on appelait le grimpant. À l'histoire sainte, revue et expliquée par Jean-Yann. Non, mais moi, je vous dis des trucs qui me reviennent comme ça, parce que j'ai lu ça il y a longtemps. Je sais qu'il y a des vieux trucs. Je connais bien l'histoire sainte, mais pas tout, je mélange un peu. Bon, c'est vrai, je sais que, par exemple, le coup des bottes de sept lieues, je sais jamais exactement quand il les a mis. Après, je sais qu'il y avait Marie-Madeleine qui dormait, le mec l'embrasse, elle se réveille, et s'était piqué avec une quenouille, enfin, des alors je me rappelle un peu de ça, qu'il avait pris les 12 apôtres, il est allé dans la forêt, il a jeté des cailloux, les mecs sont revenus à la maison, le père Joseph a dit allez, faut les remporter, alors ils ont pris du pain azim, ils ont dit bon, je pense qu'ils ont foutu. Bon, tout ça, c'est des trucs un peu... Même là-bas, ils s'en rappellent plus. Hein. Moi, j'y suis allé. En Israël, on dit au type, eh, qu'est-ce qui s'est passé? Ils mélangent tout, les mecs. Personne n'a... Il n'y avait pas de journaux à l'époque. Moi, j'ai la collection complète de l'illustration. Ça commence à 1800... bien après. Bien après. Il y a le Titanic, il y a des trucs comme ça, mais Jésus, il n'y a rien. Dans l'illustration, que dalle. Si, il y a Sarah Bernard, mais enfin, ça n'a rien à voir. Ah non. Olivier n'est pas étonné. Ah, elle vous appelle Olivier déjà. Hein? Oui, c'est pourtant intime.
Peut-être qu'elle ne peut pas prononcer amiral, hein. Faut pas exagérer. Amiral, ça va très bien. Claire Chollon, c'est oh, dur. Kersauzon. Ah bah Kersauzon, ouais. Kersauzon, Kersauzon, Olivier de Kersauzon. Ouh, mais... Moi aussi, je fais des imitations. Ah bon ? On fait des imitations ? Qu'est-ce que vous imitez, à part le chuintement ? De la chauve-souris excitée par le sexe. Qu'est-ce que vous imitez ? Bah, faut deviner. Ouais, allez-y. Alors, au hasard, hein, celui que je fais le mieux. Ouais. Les initiales, c'est JG, d'ailleurs. C'est quoi, les initiales? JG. La fin. La fin du prénom, c'est N. Et la fin du nom, c'est N. NN, en fait. Alors. Ouh, je vais te dire un bon truc, mon petit gars. Alors? Jean Gabin. Merci. Merci, Roger. Merci. Je vais te dire un bon truc, mon petit gars. Remarquable imitation. Ah ouais. Jamais nous ne l'avions entendu imiter comme ça. Ah ouais, ça c'est... Jamais. Une autre, vas-y. Une autre ? Oui, vas-y. Mais ah prenez ouais, le même texte, hein. Ah ouais. Ne donnez pas les initiales, non, parce que c'est trop facile. C'est facile. Moi, c'est ce qui m'a aidé, hein. Alors. Il n'y a que ça qui vous a aidé. Mais non! Ah non! Attends, il faut beaucoup que je me concentre. Ah voilà. Capitaine de Beaulieu. Pierre Frenet. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah oui. Voilà. Faites-nous encore une imitation. Oui. Vas-y, De Funès. Qu'est-ce que ce sera? De Funès? C'est ma bouchère. Mais ça, vous pouviez pas. C'est vrai. Ça, elle nous a eu, hein. Et dans les grandes largeurs, là. C'est bon, hein. Mais c'est bien ça. C'est Madame de Bréau, 22 rue des Martyrs, c'est celle-là. Hein. Elle est bien, votre bouchère? Très bien. Tendre? Oh, vous faites un petit jeu de mots avec la viande, tendre et tout. C'est bon, ça, c'est bon. Elle ouais, se libère, là, hein, elle a moins peur, maintenant. On est là, on taille la bavette. Mais quand il fait froid comme ça, on a l'anglais. Il y a d'autres morceaux du boucher, hein, vous pouvez les énumérer tous. L'araignée. L'araignée, très bien. Ah. Mmh. La fameuse et très connue histoire du boucher... qui voit une cliente appétissante dans sa boutique, puis comme il n'y a personne, il l'emmène dans l'arrière-boutique, il le soulève son tablier, puis il fait « Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Oh » Elle adore ça. Elle est classique, il fallait la sortir, si j'ose dire. Voilà qui est fait. Oh, c'est drôle, ça. Oh, je suis contente. Ah, oh, j'aime bien, ça. Ah, oh, je suis contente. Puis ça va loin, hein. Ah oui. J'ai vu des photos de vous en uniforme. Ça ouais, t'étais belle, hein. Elle était bien, belle, avec son keeping. Quand elle était jeune, elle était superbe. Elle est belle, elle est très belle. Elle est très belle, non, magnifique, t'es vraiment. T'es encore belle, mais t'as plus 20 ans, faut quand même pas déconner. Bah non, j'ai plus 20 ans, évidemment que j'ai plus 20 t'as, ans. T'as été superbe. Et encore maintenant, c'est une belle dame. Mais c'était voilà, une jeune voilà, fille superbe. Voilà. T'as été bandos, ouais. Continue. Ça te rajeunit pas toi non plus, hein. Mais non, mais moi, je m'en fous de mon âge. T'es rangé des voitures, c'est ça. Mon âge, ce soir, me gêne moins que le vôtre, madame. Mais non, nous c'est à voir, c'est à voir. J'ai dit le vôtre, madame, j'ai pas dit... Les vôtres. Ah, bon, attention. Alors, les deux autres, la rose et la rouge, ferment leur gueule. C'est la bleue qui prend dans le milieu. On distribue chacun son tour. Hein? La vie sexuelle d'un homme n'a qu'un temps, pas celle de la femme. Oui.
Ah ben ça c'est sûr. Mais passé un certain âge, si elles ont encore une vie sexuelle, c'est qu'elles ont ou beaucoup de blé, ou c'est qu'elles sont vraiment les seules dans l'île déserte, tu vois. Pas du tout. Pas une du fois tout. Que t'as essayé le crabe de cocotier, le marsouin et tout. Alors tu te dis, tiens, peut-être la vieille là-bas, on pourrait peut-être aller voir, mais... Bon, moi, allez. Je pense que la seule réaction doit être de ne pas répondre. Voilà, et t'en regardes droit devant toi. Moi, je suis pas misogyne du tout, hein. Moi, j'aime bien les chiens, les gonzesses, tout ça. C'est affreux d'avoir trois gonzesses, là. C'est insupportable. Tu es pas misogyne, tu as même une femme, hein. Et alors ? Je pense qu'il est adorable. C'est un mari adorable, ouais. Je suis sûre. Voilà. Non, j'en suis sûre. Je me pose la question. Je suis une merveille, moi. Ouais, je sais pas. Tu la vois pas beaucoup, mais enfin, à part ça, tu la vois un peu ? Bah, évidemment. J'allume quand je rentre. C'est bien envoyé. Qu'est-ce que vous pensez de l'amiral ? Du bien. L'amiral, attends, laisse-moi parler. J'adore sa chevelure. Sa chevelure. Il a une chevelure. Mais le reste, ça vous semble pas intéressant ? J'ai pas vu les frères. C'est ce qu'on voit mieux. Allez, mettez-vous debout, qu'on voit un peu. Oh, le reste, c'est autant frisé. Ah, il peut être assez sexe. Il belle figure de proue. Il y a un bouton qui est pas fermé à la braillette. Hein? Il y a un bouton, le bouton du haut, non, de la braillette. Non, on va vous le refermer. Il faut fermer, là. Mais non, tu laisses pas quelque chose dans un hangar sans laisser un peu d'air. Ah bon, mais qu'est-ce qu'il y a dans le hangar ? Il y a une belle voiture ou il y a une vieille de chevaux dégueulasse ? Oh, 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 hey. Hey. À mon avis, ça ressemble pas à une voiture, c'est plutôt un autocar. C'est un transport en commun, mais c'est pas un transport vulgaire. Je vous remercie. Et ça consomme beaucoup. Et par contre, comme dans tous les autocars, vous pouvez venir à plusieurs. Voilà, vous êtes contente de la réponse ? Oui, pas mal. Je voudrais juste savoir si ça consomme combien de femmes par jour ? Pas non, je roule pas tous les jours. Oh. Mais quand je roule, il y a excursion. Hein. On se refait les pneus de temps en temps. Ouais. Ouais. Je change les pneus de plus en plus aujourd'hui, vous savez bien. Que le caoutchouc est devenu un élément indispensable de l'amour en cas de doute. Alors justement, à ce propos, est-ce que c'est une décapotable ? Ouais. Dis donc, si tu roules avec ton autocar, si t'as besoin d'une remorque, hein, je suis là. Hein. T'enverrais pas comme remorque, je t'enverrais plutôt comme motard. Vous êtes mariée, Yolaine ? Oui. Avec qui ? Avec un homme. Ah bah oui, bien sûr, non mais... Comment il est grand, baraqué, beau, il blond. Il est beau, il est somptueux. À part vous aimer. À part m'aimer, ça lui prend déjà beaucoup de temps. Ça doit être un boulot temps. En plein temps, à mon avis. Non, non. Parce que, tu sais, les grandes cheminées comme ça, faut être un ramoneur. Hein. Et vous avez pas des rêves de bouffe, vous ? Moi, j'ai vu passer une choucroute, là, qui s'est évadée. C'est affreux. Bah, penses-tu, c'est ma femme. Elle revient du bien coiffeur. Que peut dire la saucisse qui avait la choucroute, c'était pas la tienne. Classe, classe, classe. Et on boufferait pas un truc, n'importe quoi. Bah, n'importe du caviar, par exemple. Ah non, non, pas de caviar. Non. Bah, tu dis n'importe quoi. Un petit jambon, un petit tri. Non. Question de Madame Douche. Elle est paralysée, l'hôtesse, ou quoi ? Un pot-au-feu, ça tire. C'est fait un accident de toilette et c'est cassé le bras devant le robinet, ou quoi ? Ginette, deux pot-au-feu pour le 8. Un jambon beurre, une moule marinière. Un demi bien tassé. Un petit salé, lentilles. Et un poireau vinaigrette. Tu t'imaginerais une grosse miche de campagne, tu vois ? Oui. Vivante ? Non. Morte. Ah, oui, d'accord. Et tu dis à Arlette de se coucher dessus. Ça sera un peu bourratif comme sandwich. Ça fait le sandwich ? Ça fait le sandwich, t'as déjà les deux miches. Tu pourrais te mettre dessus, tu ferais le cornichon. Contact. Ça fait vraiment plaisir. Hein, hein. Deux ans de dressage, le cochon, il dit un mot. Merci, Arlette. L'animal ne doit pas désespérer de l'homme. Elle est bonne. Hein. C'est vrai, avec un peu de moutarde, t'as raison. Ah, moi, je veux bien faire le cornichon entre tes grosses miches. Moi, j'amène les petits oignons, si vous voulez. Hey.
Elle est en panne, l'hôtesse. Ginette. Et le pot-au-feu, ça vient? Question de Madame Douchy de la Varenne. Et de la Varenne, ça se mange. Moi, mon rêve, ça serait d'être pris en otage par les ouvriers de Fleury Michon. Oh, j'ai faim. Vous n'avez pas faim, vous, Philippe? Moi, je vous mangerai, là. Vous approchez de ma table, je vous bouffe, moi. T'aimes le boudin blanc? Oui. Arlette, attention. Ce que j'ai encore fait. Tu vois nos grosses dents qui arrivent? Ouais. Tu l'imagines toute rissolée, là, on remet le jus dessus et tout, hein, bien dodu. Oh là là. Puis tu sais, en général, ça pète près des bras, puis ça gonfle, tu vois, les membres. Ah oui. La chair se rétracte à la cuisson. Oh, on mettrait. T'as l'os de la main qui est nu. L'hôtesse, elle est cassée. Ginette, le pot-au-feu. Pourquoi on joue pas à la roue de la friture, s'il vous plaît? On gagnerait des gambasses, des petits verlans, bien, 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 des macrons. Oh, j'ai faim, Philippe, je vois plus rien. J'ai plus que des menus dans les oreilles, c'est affreux. Arrête, tu fais finir par me donner faim aussi, quand même. Eh oui, puis si je lâche la grosse, elle va dévorer le public. Vous avez pas faim, vous? Vous avez l'air attristé. Oui, parce que je sens que notre propos culturel est en train de foutre le camp. Ah, la culture! L'agriculture qui fait des vaches, des veaux, des cochons, des poulets rôtis! Ah! La culture, c'est ce qui reste quand on a tout bouffé. Exactement. Eh, pardon, sans vous déranger, l'hôtesse, elle est cassée, toujours? Ginette! Le pot-au-feu! J'ai l'écrou, et quand ça me prend, c'est l'horreur. Si je suis pas satisfait... immédiatement, ça devient sexuel. T'as bien fait de nous prévenir. Te réjouis pas trop, va peut-être m'apporter à bouffer. Hein. Y'en avait pas une qui est inédite, là, une nouvelle? Par exemple, j'en ai une très très sale, je peux la raconter si je dis pas une grossièreté. C'est un petit comptable qui s'est fait arrêter, il arrive dans une prison, hop, en prison. On ferme les grilles, il fait sombre. Et tout d'un coup, il voit bouger sur le lit la couchette supérieure. Une grosse brute qui est là. Bonjour toi. Pourquoi t'es là? J'ai pris pour 15 ans. Pourquoi? Je te demande pas combien. Je suis comptable et j'ai pris pour 15 ans parce que j'ai fait une escroquerie. Bon, alors moi aussi, j'en ai encore pour 15 ans. Alors autant qu'on vive en paix, tu fais la femme ou tu fais le mari? Réponds, on n'a pas que ça à faire, on n'a plus que 15 ans, alors dépêche-toi. Je veux bien faire le mari. Voilà, t'as compris. Alors, qui c'est le gentil mari qui va sucer la zibounette à sa petite femme? Oh, les splendides. Ouais. Oh non, je peux pas le raconter. Allez, on est entre nous. Ouais, grossière. Ouais, ça, on a rien à foutre. Hein. Bon. C'est une grand-mère. Moi, c'est une grosse grand-mère. Très grosse grand-mère. Moi, je suis même pas une petite fille à côté. Très grosse grand-mère. Et tous les mercredis, il y a une petite Dédé qui vient la voir, son petit-fils, quoi. Puis il est content, puis c'est gentil, grand-mère. Dédé, ça va? Oui, grand-mère. Très, très bien. Il est là, tout petit, mignon. Il est gentil avec toi, ta grand-mère? Oh, oui, mémé. Bon, on va aller faire des cours, je vais t'acheter des beaux cadeaux pour Dédé. Oh, merci, mémé. Il dit, mais mémé, un peu mal à la tête, va mettre un suppositoire. Elle prend le suppos, est tellement énorme qu'elle n'arrive vraiment pas à le mettre, elle n'est même pas approchée. Il dit, tu veux être gentil avec ta grand-mère? Ah oui, t'as acheté des très beaux cadeaux, oui. Tu passes en dessous de mémé, là, elle soulève un peu ses yeux, puis tu mets le suppositoire, après on va aller au marché. Ah oui, mémé. Il se met en dessous, puis elle ne le voit plus, il ne se passe rien. Je dis, Dédé, j'hésite. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Mais je ne sais pas, je le mets directement dans le cul, je donne à manger au dindon.
Ah, j'avais prévenu. Oh, elle est belle. Il y en a une autre qui est très difficile à raconter comme ça en radio. C'est un gynécologue belge, ça se passe en Belgique, à Bruxelles. Et alors, il est là, il a une cliente qui arrive, qui se met sur la table. Et puis, il l'examine. Alors, il enfile un gant en plastique, n'est-ce pas, en caoutchouc. Et puis, il est là en train de l'examiner, n'est-ce pas. Et à ce moment-là, alors qu'il a la main prise à autre chose, le téléphone sonne. Alors, il décroche le téléphone de l'autre main. Il dit, allô, dis donc, c'est moi, Roger. Il dit, tu es où? Je suis place de Bruquiac, comment je fais pour venir te voir? Il dit, bah, t'es très simple. Tu continues tout droit, et avec sa main droite qui est engagée ailleurs, il indique le chemin. Tu continues tout droit, et la cliente, tu tournes à la première à droite, et la cliente, tu vois le rond-point qui est après, tu tournes autour, et puis en plus, tu prends la deuxième à gauche, là, tu vois une maison, tu montes l'escalier. Et puis alors là, la porte, là, tu sonnes. Allez, tu es chez moi. Bon, d'accord, il raccroche et la fille fait. Dites donc, la prochaine fois qu'il rappelle, vous pouvez pas lui demander de pousser jusqu'à un mur. C'est quand même le seigneur qui honore une jeune bergère au Moyen-Âge. Hein. Il l'honore en lui faisant une tarte au poil. Quoi. Ah, une tarte au poil. Disons qu'un broutage de minou, et ça sent très très fort parce qu'il n'y avait pas d'hygiène à l'époque. Et la demoiselle lâche un paix et le seigneur dit « Ah, enfin un peu d'air !» Moi, je connais une histoire comme ça d'un curé qui était très très fort, très calé. Il aurait pu venir là, il aurait répondu à toutes les questions. Terrible, il faisait un concours, il avait les yeux bandés. Alors, c'était à tel point que la presse était là, avec la télé et tout. Et les yeux bandés, on lui faisait sentir des trucs. Et... alors, il sentait un vin. Château Canon, 1958. Oui, hop, un plat. C'est un fricassé de homard aux fèves fraîches et aux truffes. Oui, faite par Robuchon. Bien. Puis ça continue. Alors, tout le monde est époustouflé. Alors on en a marre, on dit c'est pas vrai, on va le faire perdre. À chaque fois, il gagne une fortune parce qu'il y a des paris quand même. Le curé continue d'être trouver mes frères. Hop, les yeux bandés. Et à un moment donné, il y a le réalisateur qui fait hey, « attends, on va se marrer. » Il demande à la script « Passe-moi ton slip, on va rigoler. »« Oh, mais je t'ai appris, hein, j'ai... passe-moi ton slip, je te dis. » La script enlève son slip et arrive sous le nez du curé comme ça. Il fait « Brune, vierge, pas de la paroisse. » Je connais une aussi. C'est un petit comptable. Il gagne même pas le SMIG. Et puis il est tombé amoureux d'une créature splendide, formidable. Et il rêve pendant des mois de faire l'amour avec elle. Et puis, à force d'essayer de se faire remarquer, un jour, elle l'aperçoit, elle engage la conversation et il l'invite à dîner pour le lendemain soir. Alors, il veut l'entraîner dans un petit troquet où il a ses habitudes, mais elle lui demande d'aller chez Maxime. Bon, alors il finit par se laisser faire en disant « j'essaierai de réduire les dégâts ». Il s'assoit, on montre la carte et puis elle commence par du foie gras. Alors lui, il prend un petit bout de pâté pour réduire. Puis ensuite, il dit, ben, vous voulez peut-être maintenant un poisson? Elle dit, non, avant le poisson, j'aimerais bien avoir un peu de caviar. Le type fait son compte mentalement, s'aperçoit que tout son mois va y passer. Mais il a tellement envie d'elle qu'il accepte. Alors elle prend ainsi du caviar, elle prend un poisson, elle prend une viande la plus chère, elle prend du fromage, elle prend un dessert qui coûte très cher, le tout arrosé d'un champagne millésimé. Le type est à la fois affolé et éperdu de désir et il lui dit « Vous avez un sacré appétit ». Il dit « Oui, pas mal ». Il dit « Mais vous mangez toujours comme ça ?» Ah, elle dit non, seulement quand je suis indisposé.
la déception. Ah, elle est géniale. Elle est horrible, elle est terrible. C'est à usage interne, si je puis dire. Hein. Oh. Moi, j'ai une histoire de vendeuse comme ça qui était en train d'astiquer une pancarte à l'intérieur d'un grand magasin. Elle était là avec sa petite blouse bleue, en petite robe, et puis il y a un espèce de satyre qui passe en dessous et qui s'installe, il regarde. Alors, ça va deux minutes, ça va, puis elle est un petit peu vulgose quand même. Eh ben là, qu'est-ce que tu regardes, toi, là? Alors, il continue de regarder. Eh, oh, je te parle à toi, là, qu'est-ce que tu regardes, là? Je regarde la télé. Eh ben, t'as qu'à revenir demain, sans couleur. Ah, c'est du joli, je vous assure. Ah, elle est vulgaire, elle est vulgaire. Elle fait rougir, Guidi. Oui. Et l'explorateur qui arrive à l'improviste. Non, c'est aussi une chose qui va être coupée. C'est l'explorateur qui est parti 6 mois, ou un navigateur, enfin plutôt un explorateur, et qui est parti 6 mois et qui sonne chez lui. Et sa femme lui ouvre et comme il arrive à l'improviste, elle est extrêmement bouleversée. Mais c'est formidable, mon amour. Je ne savais pas que tu reviendrais aujourd'hui. Ça fait 6 mois que tu... Mais il n'y a rien à manger. Et puis, elle va dans la cuisine, elle loue le frigo et son congélateur, et elle chante. Heureusement, il y a Findus, Findus. Alors, bon, il mange. Et puis, très vite, il se retrouve dans un lit, puisque ça fait quand même très longtemps qu'il ne l'a pas honoré. Et elle lui dit, écoutez, je suis désolé, mon chéri, mais tu arrives à un moment... Je suis indisposé. Et là, l'explorateur a chanté. Heureusement, il y a l'anus. L'anus. Mais dites donc, vos trois blagues, vous les avez trouvées dans le même recueil. Ah, hein. Non. On m'appelle une fille qui avait pris le taxi comme ça avec son petit ami. Et ils étaient très, très excités. Oh, c'est la nuit d'été. Oh, je vais te prendre ma poule, où ça? Dans le bois de Boulogne. Oh oui, vite, un taxi. Oh, puis monte dans un taxi, emmenez-nous. Ah, vite dans le bois de Boulogne. Puis ils en peuvent plus, le mec. Bois de Boulogne, d'accord, je connais. Hop, il y va. Il est à l'arrière, il commence. Oh, je peux plus attendre le bois de Boulogne. Ah, hop, il saute sur la fille. Oh, là, la tête qui sort de la bagnole. Ah, les mecs, ils se trompent un peu, et ils mettent pas là où il faut. La fille fait, ah, pas par là. Le taxi, il fait, oh, occupe-toi de tes fesses, je connais le chemin par cœur. Quelle est la différence entre une femme et un artichaut? Je connais pas ça. En quoi, entre une? Entre une femme et un artichaut? C'est pareil, ce qu'il y a de bon à bouffer, c'est sous les poils. Allez, je vois là un vrai amateur. Oh, j'ai une belle histoire pour ça. Ça doit être dégueulasse encore. C'est une femme qui est morte en train de faire l'amour avec son mari. Alors le flic est en train de faire le constat. Il fait venir le mari à l'arrêt. Il dit subséquemment que c'est moi qui fais le constat de mort, d'autopsie. Il a été déclaré que votre femme est morte en train de faire l'amour avec vous. Alors le mec, il dit, écoutez, remuez pas le couteau dans la plaie, c'est déjà assez dur. C'est moi qui pose les questions ici. Vous faisiez l'amour avec elle et vous étiez dans une position qu'on peut appeler 69. Mec, écoutez, soyez gentil. Vu cette position 69, vous obstruiez un de ses orifices avec votre nez. D'autre part, vous-même avez votre sexe dans sa bouche, plus les testicules sur le nez, ainsi que les cuisses autour des oreilles. Écoutez, monsieur, soyez gentil. Subséquemment, que ce qui nous intéresse ici est de savoir par quel trou elle a rendu le dernier soupir. Normalement, dans l'histoire, tout est bouché, j'en oublie un, quoi. Bah, franchement, non. Si ça fait rire des gens, non. Bah oui. Écoutez. Bah, ça fait toujours rire. Bah, oui. Je me souviens d'un monsieur qui était invité dans une soirée très classe et où il avait une allergie aux œufs.
C'est Rigaud qui m'avait raconté ça. Alors. Donc je ne bruiterai pas tout. Et il s'assoit et premier plat des œufs mimosa. Alors il est emmerdé, il commence à regarder autour, il essaie de ne pas en manger. Et puis finalement il en mange, alors dès qu'il en a mangé. Et la maîtresse de maison qui est à côté commence à faire « Kiki, viens ici !» Kiki vient ici. Et il s'aperçoit qu'il y a le chien de la maîtresse de maison qui est sous la chaise. Et il dit, mais ça y est, elle croit que c'est le chien qui fait ça. Je vais pouvoir me gaver. Et il se met à bouffer. Il adore ça en plus, les œufs. Il bouffe des œufs mimosa. Après, on amène des œufs au plat. Et allons-y. Et la maîtresse de maison, Kiki vient ici. Kiki vient ici. Et les œufs à la neige qui arrivent, il bouffe. Et bam, bam, bam. Kiki vient ici. La maîtresse de maison fait, Kiki vient ici. Toi, pas que le monsieur va finir par te chier dessus. Et raconté par Jean Rigaud, cette histoire, c'était un bonheur. Ah oui. Ça, vous les mettrez dans les disques à part, vous savez. Oui. Vous me verserez les droits d'honneur. Oui. Droits d'honneur. Ouais, l'autre jour, j'étais en voiture dans Paris. Je fais une queue de poisson à un mec et je vois des plaques belges. Le mec me klaxonne furieux. Et il s'arrête à côté de moi au feu rouge. Et moi, j'ouvre ma glace, à ce moment-là, je dis « Excusez-moi, je suis un belge perdu à Paris. » Et à ce moment-là, le mec m'a dit « Ah bon, je peux vous expliquer. » Et je te jure, elle est véridique. Elle est véridique. Je croyais que le mec, il allait se marrer, pas du tout, il est resté serviable. Mais alors écoute, c'est le même Belge qui rentrait dans un bistrot avec un petit porcelet sous le bras. Alors on regarde, on fait, mais bah, tu tombes, où est-ce que t'as trouvé ça? Il y a le porc qui fait, j'ai gagné à la loterie. Oui, oui. C'est mignon. Mais oui, il y a deux Belges qui se trimballent sur une plage comme ça, dans le Nord, et un couple de Belges qui se promènent poétiquement, c'est vraiment très romantique, et soudain, il y a une mouette qui arrive, méon, et balance un guano, plaf, en plein sur la tronche de la femme belge. Et dit, oh, bah, regarde ce qu'elle m'a fait. Le mec, il fait, attends, je vais chercher du papier hygiénique. Elle dit, mais c'est pas l'appel, la mouette, elle est déjà à 2 kilomètres. J'ai une petite histoire mignonne. Ces deux chiens qui sont chez le vétérinaire, il y en a un tout petit. Dis pas un tout petit en regardant Philippe, s'il te plaît. Hein. Non, mais je suis obligé, excuse-moi. Bon, il y a un minuscule chien. Non, il y a un tout petit chien, genre Yorkshire, c'est machin, genre rat avec des costumes d'apparat, genre un manteau de forêt, un petit chien, et puis un gros à côté. Et ils sont chez le vétérinaire, ils sont un peu, quoi, ils ont un peu la panique chez le véto. Et le petit chien, il regarde le gros chien, il dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Il dit, toi, qu'est-ce que tu fais là? Moi, j'ai 11 ans, quoi. Je suis avec une maîtresse, elle est gentille, elle me sort faire pipi, caca, me donne du pal, quoi. C'est pas l'enfer, là, j'ai pas tiré, j'ai 76 ans, j'ai pas tiré un coup. J'emmerde un peu. Puis il y a 2 mois, elle a acheté une petite chatte siamoise mignonne, mais mignonne. Comme tout père, elle fait comme ça, les gestes, la petite chatte sur le canapé. Moi, je la regarde, j'ai rien à foutre de la journée. Je sais pas ce qui m'a pris, il y a 2 jours, je sautais sur la petite chatte, je me suis tapé, mais comme un fou, toi. Je voyais, je suis tellement petit, j'ai pas vu que la maîtresse était là. Elle m'a pris, m'a jeté contre le mur, m'a cassé dedans, puis là, elle m'a amené ici aujourd'hui, puis chez le vétérinaire, puis on va me castrer, quoi, on va me couper les couilles. Et toi, avec le gros chien? Mais dis-moi, c'est à peu près pareil, quoi. J'ai 2 ans et demi, je parle pas à toi, mais je suis avec une maîtresse magnifique. C'est un mannequin, un cul splendide, une taille toute fine, des seins un peu lourds, des beaux yeux bleus, puis les cheveux qui descendent jusqu'aux fesses. Alors, elle vit à poil avec moi, on est tous les deux, tu vois l'ambiance. Moi, j'en peux plus, je tourne tous les jours. Alors, il y a 2 jours, elle prenait son bain, comme tous les jours, j'en peux plus. À chaque fois, je suis sur la moquette, je te raconte pas ce qui se passe. Et elle sort du bain, elle avait les fesses toutes mouillées, un peu de mousse sur le bout des seins, magnifique. Elle regarde, elle me fait un petit bisou, cette conne. Elle se penche pour prendre un shampoing, je te raconte pas, elle saute dessus sur la moquette, je fais quand même 52 kilos, je vais tout faire. 1h15, ça a pris, elle en pouvait plus. Et puis, elle m'a amené ici aujourd'hui. Ah, le petit chien, toi aussi, couper les couilles? Il fait non, les ongles. Oh, elle est géniale. Et elle est vraie en plus. Et elle est vraie.
Bon, alors, c'est place de la Concorde, donc il y a une toute petite voiture, toute petite Fiat avec Jean-Pierre qui est dedans. Jean-Pierre Cyril, attention. Hein. Et oh, elle cale tout au milieu. Oh, mais qu'est-ce que c'est, cette voiture? Alors, c'est ma... Bon, là, il y a une grosse mire-mort qui arrive derrière. Oh, bah, excusez-moi, j'arrive pas à démarrer. Et un routier qui passe sa tête par la fenêtre fait « Et alors, tu veux que je te la pousse, ta merde ?» L'autre il fait « Oui, mais qu'est-ce qu'on fait de la voiture ?» C'est le petit renard qui passe tous les matins devant le terrier des petits lapins qui se préparent pour aller à l'école. Et puis, il y a les petits lapins qui sont là, ils sont en train de s'habiller. Il y a le petit renard qui dit « Alors les petits lapins, ça va bien ce matin ?» Les petits lapins ils disent « Ouais, ça va bien, on se prépare pour aller à l'école. » Il dit « Votre mère, elle va bien ?» Il dit « Ouais, elle va bien. Ben, dites-lui qu'elle se prépare parce que je vais me la farcir un de ces quatre. » Et il fout le camp. Et tous les matins, il passe et puis il dit « Votre mère, elle est bien ?» Ouais, elle est bien. Ben, demain, je la nique. » Et il fout le camp. Et les petits lapins, ils en ont marre. Et puis un jour, ils disent à la maman lapine, ils disent « Maman, tous les matins, il y a le petit renard, il passe, il dit ça, il est mal élevé, le petit renard. Hein. » Ah, il dit oui, il est très, très mal élevé, et du reste, demain, je vais l'attendre. Et le lendemain matin, la grosse lapine se planque dans un fourré, et il y a le renard qui arrive, se doutant de rien, évidemment, il fait « Alors, les petits lapins, ça boum ce matin ? » ?»« Ouais, ça va. » »« Et votre mère ? » ?»« Ouais, ça va aussi. » »« Bon, bah demain, je la saute. » Et à ce moment-là, il y a la grosse lapine qui sort du fourré. Le petit renard, il fout le camp vers la forêt, et comme il est vachement malin, il regarde partout. Et puis il cherche un terrier, puis il trouve un petit terrier, il rentre dedans, la grosse lapine, elle fait pas gaffe, elle rentre dedans et elle reste bloquée avec son énorme cul à l'air. Et le petit renard, il fait le tour, il arrive derrière, il regarde et il fait « C'est pas que j'en ai envie, mais je l'ai promis aux enfants. » C'est un bon nègre qui se promène dans la jungle et il voit tout d'un coup un scorpion. Alors il lève le pied pour écraser le scorpion et puis son pied reste en l'air et il lui dit « Allez, va-t'en, pauvre petite créature du bon Dieu, allez, va-t'en, 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 je te laisse la vie. » Et à ce moment-là, comme il fallait s'y attendre, le scorpion s'est changé en fée, qui lui dit « Qu'est-ce que tu veux? Tu as 3 vœux à faire, dis-les-moi. » Et le nègre dit « Oh, bah ça, c'est pas difficile, je sais très bien ce que je veux. D'abord, je veux être blanc. Ensuite, je veux vivre dans le luxe. Et troisièmement, je veux du cul, du cul, du cul, du cul, du cul partout. » Très bien, dit la fée qui le touche de sa baguette magique et il se retrouve bidé au Ritz. Vous connaissez le gars qui va chez le marchand de bestiaux et il dit « Tiens, je vois un animal de compagnie, que j'ai pas beaucoup de pognon, qu'est-ce que vous auriez ?» L'autre, il dit « Qu'est-ce que vous avez ?»« Bon, j'ai, allez, 500 balles. J'ai un très beau crapaud. Bon, c'est pas terrible, ça. Bon, si vous pouvez mettre 600, j'ai une grenouille. Que, oui, je fous une grenouille. Ah, mais celle-là, elle est spéciale, elle suce. Ah bon ? Allez, 600 balles, il embarque la... Oh, la grenouille lui tape des calumets, mais alors, le gars... Oh ! Sa femme rentre, il a les yeux cernés, il est là, puis il y a la grenouille. La femme repart au boulot le lendemain. Le gars a toujours les yeux de plus en plus cernés, la femme rentre, le mec il est dans la cuisine, avec un livre de cuisine, un tablier, en train de... et il a le bouquin de cuisine ouvert, il a la grenouille sur l'épaule. Sa femme fait « Qu'est-ce que tu fais là ?» Il fait « Si elle réussit ça, moi je te vire. » C'est la différence entre une huître et une moule. T'as déjà essayé d'ouvrir une huître avec ta langue, toi? Une histoire de perroquet, Philippe, épouvantable. Alors, c'est un perroquet qui... C'est un type qui dit à son copain, sois gentil, je pars en voyage, il faut que tu me gardes mon perroquet, tu vas voir, il est sympa, il va pas t'embêter, t'auras aucun problème. Bon, le gars, je veux bien, j'ai jamais gardé de perroquet. Bon. Alors, le perroquet est là, puis le premier soir, le gars s'en va, puis... Le type est avec sa femme dans son lit. Je dis, chérie, on va faire l'amour. Ça m'embête sous les yeux de cette bête. Donc, je crois que c'est un perroquet. De toute façon, il veut pas. Bon, alors il commence à faire sa petite affaire. Puis tout d'un coup, le perroquet regarde. Il fait, tu la baisses comme un con. Oh non, c'est pas comme ça. Tu vas la rater. T'es très mauvais. T'es nul. Tu sais pas du tout. C'est pas comme ça. Regarde-la. Elle prend pas son pied. C'est... Le type, tu commences comme emmerdant. Ça, il m'avait pas prévenu. Dis, non, bah, moi, si tu continues comme ça, va se tirer avec un autre type. Tu vas la rater. C'est Timon. Regarde-moi ça, la gâte.
fait mal, imbécile. Bon, bref, ça se produit pendant 8 jours. Le perroquet, c'est épouvantable. Alors, au bout du 8e jour, il en peut plus. Le type, il dit bon, bah écoute, oh, chérie, on va faire un truc, c'est pas compliqué. Si tu veux qu'on continue à faire l'amour, on va lui mettre tranquillement un suppositoire de calmant. Et puis, comme ça, tu vas voir, ça devrait fonctionner. Alors, hop, il attrape le perroquet, il lui met un suppositoire. Effectivement, le perroquet a l'air saisi et il bouge plus. Il commence à faire leur petite affaire, aucun commentaire, rien, tout se passe bien. Au bout d'un mois, le gars revient, il dit « Alors mon perroquet, il n'y a pas eu de problème ?» Il dit « Au début, bon, il avait une certaine tendance à s'exprimer de façon un peu discutable, mais par la suite, je dois dire qu'il a été parfaitement sympa. » Bon, puis ils partent dans la cuisine et le gars voit bien que son perroquet, il fait une drôle de tête. Il arrive près du perroquet, il lui dit « Mais ça n'a pas l'air d'aller, Coco, qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Chut, tais-toi, toi ! Ici, si tu parles, on t'encule. Mais je suis heureux que vous l'ayez entendu en direct, car vous la réentendrez pas à la radio. Oui, ça c'est bien possible. Les quatre miracles de la femme. Alors, il faut que je me rappelle. Elle mouille sans toucher l'eau. Elle saigne sans être blessée. Elle donne du lait sans brouter de l'herbe. Et elle nous casse les couilles sans les toucher. Ah. Moi j'ai un moyen pour faire crier une femme deux fois de suite. Je la sodomise, après je me suis dans les rideaux. Ouais. Ça y est, on y est. Ça c'est d'une... C'est parti. Ça, ouais. Les... Ouais. Parler des rideaux comme ça... Ah ouais. C'est insupportable. Ah, comment marqué. Dit-on sodomie en trois lettres? Aïe. Quand il y a le rideau, la tringle est pas loin. Hein. Notez-le si vous voulez. Ouais. Ouais. Dans bah, j'ai un copain qui a revendu sa femme et sa bagnole parce qu'il y en a une qui suçait trop et l'autre pas assez. Bah, tu connais le vieil adage. Si les hommes étaient un peu mieux sucés chez eux, ils iraient moins souvent au bistrot. Tu connais la différence entre une femme et une clôture? La clôture, t'as pas besoin de lui dire je t'aime pour la sauter. Bernard Mabille, M-A-B-I-2-L-E. J'ai fait faire un piercing à ma femme. Oui. Un anneau dans le nez, puis il me ramène des truffes. En plus, vous pouvez l'attacher à la porte des grandes surfaces quand vous faites vos emplettes. Bien sûr. Non, mais je l'attache au volant de la voiture, devant Auchan, pour pas qu'on me pique l'autoradio. Les quatre miracles de la femme. Alors, faut que je me rappelle. Elle mouille sans toucher l'eau. Elle saigne sans être blessée. Elle donne du lait sans brouter de l'herbe. Et elle nous casse les couilles sans les toucher. Moi, j'ai un moyen pour faire crier une femme deux fois de suite. Je la sodomise, après je me suis dans les rideaux. Ouais. Ça y est, on y est. Ça, c'est d'une... C'est parti. Ça, ouais. Les... Ouais. Parler des rideaux comme ça... Ah ouais. C'est insupportable. Ah, comment marqué. Dit-on sodomie en trois lettres? Aïe. Quand il y a le rideau, la tringle est pas loin. Hein. Notez-le, si vous voulez. Ouais. Dans bah, j'ai un copain qui a revendu sa femme et sa bagnole parce qu'il y en a une qui suçait trop et l'autre pas. Bah, tu connais le vieil adage. Si les hommes étaient un peu mieux sucés chez eux, ils iraient moins souvent au bistrot. Tu connais la différence entre une femme et une clôture? La clôture, t'as pas besoin de lui dire je t'aime pour la sauter. Bernard Mabille, M-A-B-I-2-L-E. J'ai fait faire un piercing à ma femme. Oui. Un anneau dans le nez, puis il me ramène des truffes. En plus, vous pouvez l'attacher à la porte des grandes surfaces quand vous faites vos emplettes. Bien sûr. Non, mais je l'attache au volant de la voiture, devant Auchan, pour pas qu'on me pique l'autoradio. Il y a un gars qui est à Las Vegas, il gagne 5 000 $ au casino. 5 000 $, il va chez son copain, il lui dit, écoute, avec 5 000 $, faut que tu me trouves la plus belle pute de Las Vegas. Elle lui va chez la pute, il lui dit, monsieur, pour 5 000 $, c'est seulement une pipe. 5 000 $, une pipe? Il dit, venez voir. Venez à la fenêtre. Vous avez vu tous ces restaurants dans la rue? C'est uniquement en faisant des pipes que j'ai gagné tout ça, ça m'appartient. Alors ça doit être extraordinaire. Bon, elle lui donne 5 000 $, elle lui fait une pipe. Il ressort de là, mais alors, fantastique. Il s'est jamais autant régalé.
Il va chez son copain, il dit, je regrette pas. C'est cher, mais je regrette pas. Hein, c'est fantastique. Le lendemain, il gagne 10 000 dollars. Ah, il dit, avec 10 000 dollars, elle va me faire encore quelque chose. Il va la voir, il lui dit, 10 000 dollars, qu'est-ce que vous me faites? Il dit, par derrière. Par derrière. 10 000 dollars, mais c'est cher. Et seulement par derrière. Et seulement par derrière. Venez voir la fenêtre. Vous avez vu tous ces penthouses? Eh bien, ça m'appartient rien que par derrière. Ah, c'est que ça doit être fantastique. Et en avant, il y va, et il se régale, mais il s'éclate. Le surlendemain, il gagne 50 000 dollars. Il dit, avec 50 000 dollars, il me l'a fait complètement. Pipe, par derrière et devant, tout, le complet. Et il va, il gagne 50 000 dollars. Il va chez la pute, et il lui dit, 50 000 dollars, je veux le complet. Il dit, venez voir. Vous avez vu tout Las Vegas, là? Si j'avais une foufoune, j'aurais eu tout Las Vegas à moi. Elle est un peu hard, hein? Elle est un peu hard. Mais elle est racontée avec beaucoup de bonne humeur. Et ça a l'air d'être une chose vue, d'ailleurs. C'est classique, hein. Ça, oui. Oui. Bah, vous connaissez l'histoire du gars, l'amateur de rock, qui va aux putes. Et la gonzesse, elle est tatouée. À l'intérieur de la cuisse gauche, elle a Elvis. Alors, il fait, j'adore Elvis, je peux l'embrasser, oui. De l'autre côté, elle a Jerry Lee Lewis, je peux l'embrasser, ah oui. Et elle fait, c'est tout, ben oui. Et Demis Roussos, on l'embrasse pas. Il y avait un pauvre gars qui avait été élevé par des femmes qui voulaient le préserver et il a failli devenir homosexuel, le pauvre. Et puis, un jour, au service militaire, ses copains l'amènent aux putes, quoi. Il trouve une chérie, explique à la dame et tout. Le monsieur, il a très peur parce qu'il pense qu'il y a des dents. Mais non, mon petit vient avec moi et tout. Et il tremblait, elle se met sur le lit. Elle enlève son slip et dit, regarde, il n'y a pas de dents. Il regarde, dit, ah oui, mais c'est normal dans l'état où sont vos gencives. Ah ben oui, non mais je suis désolé, on va la couper d'ailleurs. C'est pas distingué mais c'est efficace. Hein. Comme l'histoire de la pute qui va chez le gynéco et il lui dit, écoutez, quand vous avez vos choses, vous perdez beaucoup. Ah oui, une brique et demie. C'est le 24 décembre, rue Saint-Denis, il y a deux prostituées qui se gèlent le bonbon parce qu'il fait froid, elles sont obligées de travailler habillées court quand même. Elles se serrent la contente, elles disent, qu'est-ce que tu demandes au Père Noël? Elle dit, oh, 500 balles comme aux autres. Ah, j'ai encore plus horrible, hein, mais j'ose pas. Hein. Glita recrute un client qui est aussi impécunieux. Et puis, bon, ben, avant qu'il monte, il lui demande ses tarifs et elle lui dit, c'est 5 francs devant et 10 francs derrière. Alors, il monte et puis le type dit, je vais vous payer tout de suite. Non, non, tu paieras après. Et il fait sa petite affaire. Et puis, quand c'est fini, il se rhabille, il lui dit, alors, madame, combien je vous dois? Et elle lui dit, où est-ce que t'étais? C'est comme un paysan qui vient vraiment du Maghreb, il a rien compris à Paris et tout. Il a un peu d'argent, il veut aller absolument voir une pute. Et puis il tombe sur une pute, mais malheureusement il s'aperçoit pas que c'est un travesti. Alors elle voit bien qu'il s'est pas aperçu, alors elle commence à monter comme ça. Elle lui dit, écoute, hein, je te préviens, je n'ai pas d'utérus. Hein. Il lui dit, ça fait rien, tu me donnes du thé à la menthe, c'est pareil. L'entraîneuse, elle se lave au gros sel, ça pique un peu, mais ça fait boire le client. Un copain qui disait, moi, les prostituées, je les fais jouir deux fois. Une fois que je paye et une fois que je pars. Ah, c'est bon. Ça me rappelle une histoire, c'est quelqu'un qui va à la rue Saint-Denis, là, comme ça. Et puis, il voit donc une fille, une professionnelle, et puis il lui dit, c'est combien? Il dit, pour la totale, c'est 500 francs. Enfin, je ne sais plus combien c'est en euros, je ne calcule pas en euros encore. Et puis, pour la pipe, c'est seulement 100 francs. Elle dit, allons-y pour la pipe, je n'ai pas les moyens de faire plus, et tout ça. Et puis, alors,
Il fait une pipe de folie. Il se régale tellement, il lui dit, écoute, je te donne 200 francs de plus si tu avales tout. Elle fait, qu'est-ce que tu as dit? Il dit, non, rien. Oh, elle est hard, hein, elle est hard. Jean-Yann était aussi polyglotte, enfin à sa manière, qui est presque celle de l'Augérias. Ouais. Notamment, il parlait pas mal l'arabe. Hein. Je le parle, l'arabe, mais je ne le comprends pas. Les autres non plus ne comprennent pas. Alors le type me disait, l'arabe c'est plus facile parce que on peut faire de l'arabe en alexandrin. Wahed barin al arshin halba, Martin al halid al fromage. Ta'aruni khayfa. Ah, c'est du corbeau et le renard. C'est du génie. C'est pur, du génie. Alors, il s'était même penché, parce que tout l'intéressait, c'était un comique universel, sur les dialectes africains. Comment forme-t-on le pluriel d'un mot en congolais? On le fait bouillir. On double le mot? On double le mot. Alors on dit, hier soir j'ai mangé des petits pois, avec maman avait fait des pommes de terre, frites. Hein? Bah, c'est intéressant de connaître un peu la famille. C'est rien qu'on dirait, évidemment que c'est intéressant. C'est plein de petits très gentils, là-bas. D'habitants, qui peuvent aller dans des cinémas, voir des films. Et oui, dans les rues des villes. Voyez, à partir d'un détail qui est vrai, parce que c'est vrai qu'il s'agit de pluriel à redoublement, il avait monté tout un système, il avait dit ce qu'il fallait dire pour faire rire ses contemporains. Et puis alors, c'était un Européen avant la lettre, oh, pas toujours très convaincu, mais justement, il avait prévu qu'il y aurait bientôt une espèce d'espéranto qui mélangeait tous les dialectes du vieux continent. Je parle l'itafran portugléniol, qui est un mélange de tout mal. Exemple. Je sais pas, c'est dire sourouge, bedrouge en turc, c'est dire chapganen karunda rabamnam gazarim en arménien, qui veut dire j'irai rouler en voiture sur les bords de ton chapeau, c'est un machin qu'on a du mal à placer dans la conversation, et qui est une expression arménienne. Je sais chanter Mari Baba Garbaba, Imashter Kahu Baba, Damir Bay Badaï Dagda, Daskanemerodna. En bulgare, mais je ne vais jamais en Bulgarie, mais quand je rencontre. J'ai rencontré Sylvie Vartan un jour, j'ai chanté ça, elle était pâtée. Et puis cette trouvaille, j'irai rouler en voiture sur les bords de ton chapeau, on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est inimitable. Oui, j'ai dit, sentimentalement, je m'exprime sans débauche gestuelle, dans un contexte de sentiments excluant toute hypocrisie néo-bourgeoise, mais ma taciturnité apparente contient en réalité une affectivité structurée à partir d'un cynisme formel qui transcende les élans passionnels, garantissant l'autodétermination de la femme en tant qu'entité physique et intellectuelle, et plus simplement, je baisse le samedi soir. Fabuleux, hein. Un morceau de bravoure étonnant, hein. Il voulait improviser devant vous, comme ça? Ah, mais attendez, il improvisait tout, bien sûr. Il lisait une page de son bouquin. Non, oh, pas du tout, il avait pas besoin de ça.
Il y en a une horrible, c'est le curé qui confesse, quoi, le mec qui confesse. Alors il y a deux côtés, les fidèles sont à genoux. Alors il ouvre, il ferme un truc, il ouvre l'autre, et il y a le mec qui fait « T'as du papier de ton côté ?» Non, celle-là, nous la coupons oui, chaque oui, fois. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est pour la couper. Des... Oui, oui. Et le pénitent est dans la position du lotus. Hein. C'est une horreur, lotus. Monsieur Carlo. Je sais. Horreur. Mais c'est pour ce public qui se déplace, qui en doit tout. Vous devriez avoir honte. Il y a les bounties aussi. Moi, j'ai honte de l'avoir entendu. Vous devriez avoir honte de l'avoir raconté. Non, mais j'avais bien dit qu'on la coupe avant. Je parle pas de la mienne. Hein. L'histoire de Jacques Lang qui meurt. Alors il arrive, il frappe à la porte du paradis, il y a Saint-Pierre. Bonjour, c'est Jacques Lang. Pourquoi les pas, je vais aller voir sur le bouquin. Oh bah dites donc, quand même, je suis connu. Je rentre chez Castel, je vais à la télévision quand je veux. Je suis, appelez-moi le gérant ou le patron, quelque chose. Alors le Saint-Pierre va voir Jésus, qui est là. Jésus est chez lui. Et puis alors, Saint-Pierre dit, à la porte, il y a un dénommé Jacques Lang. Comment ? Fait Jésus, Jacques est là, et je suis même pas passé chez le coiffeur. C'est l'histoire du pape qui est très malade, alors on appelle tous les médecins européens à son chevet, et ils se réunissent, ils concluent un truc, et ils en parlent au cardinal qui doit parler au pape, il dit « Il faudrait, monsieur votre sainteté, ils disent tous qu'il faut tirer un coup pour détendre. » Tirer un coup. Oui, tirez un coup pour bien détendre, parce que vous êtes gonflé, un peu tendu. Ah, très bien. Alors, il faut trouver une bonne sœur et qui soit aveugle. Ah bon, pour qu'elle ne voit pas. Avec, oui, bon. Et une bonne sœur qui est muette. Ah bon, pour qu'elle puisse pas parler après. Ah, très bien. Et une bonne sœur qui a des gros seins. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que j'adore ça.